Bonjour Ilan Hachmi, bonjour. Bonjour. Avec vous ce matin en direct de nos studios, Monsieur Tarek Belharibi, directeur général de l'ADL. Monsieur Tarek Belharibi, bonjour. Bonjour et bonjour à tous les auditrices et auditeurs de la chaîne 3. Alors, lancement de l'opération Choix du site pour les souscripteurs 2001-2002. Au premier jour déjà, des millions d'Algériens se sont connectés au site de l'ADL. Combien étaient-ils entre souscripteurs et curieux, Monsieur Belharibi? On a entamé l'opération qui a été déjà annoncée au préalable par Monsieur le ministre de l'Habitat et de l'Urbanisme, qu'on va donner l'accès aux souscripteurs de choisir leur site pour la première fois. On l'a fait à l'ADL. À l'heure actuelle, 6 600 personnes se sont connectées au site de l'ADL. Les souscripteurs qui ont pu valider leur formulaire, ils sont de l'ordre de 14 882. Au niveau d'Alger, on est sur 11 500, nous sommes sur 11 592 souscripteurs ADL qui ont pu valider leur choix. Alors l'opération va se poursuivre, il n'y a pas de date limite fixée, monsieur Belharibi? L'opération va se poursuivre jusqu'à ce qu'on termine les souscripteurs de l'ADL 2001-2002. Alors pour les souscripteurs ADL2, quand l'opération du choix du site va-t-elle débuter, monsieur Belharibi? C'est un enchaînement, on ne va pas s'arrêter. Le seul critère qu'on a adopté, c'était le taux d'avancement de nos projets. Chaque fois qu'on a des projets qui arrivent à concurrence de 60% ou 70%, on fait appel aux souscripteurs pour leur donner l'accès à choisir leur site, leur bloc, leur étage et leur numéro de logement. Mais ce qui est relevé, c'est que des souscripteurs ont soulevé des difficultés pour accéder au site ADL, mot de passe erroné, saturation du réseau. Quand on est confronté à ce type de situation, quel recours pour les souscripteurs éventuellement, surtout dans le cas de l'oubli du mot de passe? Est-ce qu'ils peuvent se déplacer au niveau du site de l'agence ADL pour avoir le mot de passe? Eh bien, gérer, c'est prévoir. On a prévu cette éventualité. C'est pour ça qu'on a, dès le premier jour, mis au niveau de la direction générale et au niveau de toutes les directions régionales qui sont concernées par cette opération, des bureaux où les souscripteurs peuvent se déplacer et en présentant le code. C'est une opération qui ne dure pas plus de 2 ou 3 minutes. Ils auront leur mot de passe qui le permettra d'accéder facilement au formulaire, le remplir et le valider. Mais ce qui a été relevé aussi, c'est que des personnes ont échoué pour accéder au site dans ce type de situation. Est-ce que c'était lié un peu à la saturation du réseau, puisque vous avez dit que près ou un peu plus de 6 millions d'Algériens se sont connectés à votre réseau pour la seule journée d'hier? Saturation du site, nous n'avons pas eu. Tout a été pris en charge. On a doublé la capacité du site pour un petit peu échapper à cette éventualité. Les choses se sont déroulées dans des meilleures conditions. Les gens qui n'ont pas pu accéder, ils doivent attendre à ce que leur nom soit inscrit dans une tranche qui va s'inscrire dans les prochains jours. Alors, comment dans le sens pratique la sélection va-t-elle se faire, monsieur Belharibi? Premier inscrit, puis premier servi ou par ordre chronologique d'inscription? Nous avons adopté une démarche qui était très simple, c'était de lister tous les souscripteurs 2001-2002 et les classer selon un ordre bien défini qui fait référence à leur date d'actualisation qui leur a été communiquée ultérieurement. C'est-à-dire les souscripteurs 2002, de ADL2, ils sont éjectés, c'est-à-dire rejetés d'avance, ils tentent de s'inscrire. Non, rejetés non, c'est une opération qui se fait par phase et on est en train de passer de la phase 1 à la phase 2 et chaque fois il y en a des souscripteurs qui sont appelés à s'inscrire et avoir l'accès pour valider leur choix. Mais ce qui est relevé aussi parallèlement, que les sites qui ont été mis en ligne ne sont pas aussi importants que ceux existants à travers le territoire national. Par exemple, pour Alger, il n'y a eu 4 sites, alors que des personnes attendaient des choix plus nombreux, notamment du côté de Belkhadem et El Achour, etc. Ces sites n'ont pas été inscrits. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas, les chantiers ne sont pas en état avancé dans leur réalisation. Bon, permettez-moi de corriger ce lapsus. Au niveau national, il y en a 16 sites.
Et au niveau des ces sites, on est arrivé à un taux de réalisation de pratiquement 70%. Il y en a même des sites qu'on a, on a commencé carrément les VRD. Au niveau d'Alger, bien précisément, il y avait 5 sites qui ont été affichés au niveau du formulaire. Il y a le site de Ouled Fayed, il y a le site de Ouled Fayed qu'on appelle communément Bir Khadem, il y a le site de Jnas Feri Aïn Melha, il y a le site de Sidi Abdullah, il y a Bouinan, il y a 5 sites au niveau de... Il y a le site de Rayal Kerrouch qui présentent actuellement des taux d'avancement assez intéressants pour pouvoir les mettre, pouvoir proposer aux souscripteurs de choisir leur logement et leur bâtiment. Aïn Menyen, par exemple, le site, certains disent que les travaux ont été finalisés, achevés, et il n'a pas été mis en ligne. Pourquoi, monsieur Belharibi? Non, c'est un site qu'on vient de démarrer et on est en phase terrassement. On peut pas. Moi, c'est un site pratiquement. Est-ce qu'il y a une confusion entre les logements que vous réalisez à ADL et ceux des autres formules, par exemple? Certainement. Le site qu'on a à Aïn Menyen, c'est un site qu'on vient d'installer l'entreprise. On est en phase de terrassement. Et comme je l'avais expliqué aux auditrices et auditeurs, que le critère initial qui a été arrêté, c'était d'arriver à un taux d'avancement de 70% pour pouvoir affecter le site. Au moins comme ça, le souscripteur peut regarder son bloc, son étage et son appartement. Alors, choix du site, c'est une première opération lancée par un opérateur. Est-ce que c'est la volonté d'assurer une transparence qui a motivé cette décision aujourd'hui, monsieur Belharibi? D'habitude, on attend son affectation. Certainement, c'est la démarche, c'est de vouloir s'inscrire dans une transparence vis-à-vis des souscripteurs, de s'inscrire dans cette démarche-là pour pouvoir donner l'accès à chacun de souscripteurs de choisir de lui-même son site. Alors, autre question qui est aussi d'actualité, beaucoup se posent cette même question: quand aurons-nous nos logements? C'est un auditeur sur la page Facebook qui nous pose cette question. On a commencé le choix. Est-ce qu'on va passer prochainement à l'autre étape? Disons que nous nous sommes arrêtés à un objectif très important, c'était que tous les logements 2013 lancés en 2013 doivent être réceptionnés en 2016. Donc les premières réceptions se feront, les premières livraisons se feront certainement premier semestre 2016. Début des livraisons, le ministre avait annoncé le premier trimestre 2016 pour les logements location-vente à ADL. Oui, c'est ce que je viens de dire. Vous avez dit premier semestre. Premier semestre. Lui, il dit premier trimestre. Bof, on va pas s'arrêter sur ce lapsus. Mais est-ce que vous avez une date précise? Est-ce que vous l'avez fixée par rapport au taux d'avancement des travaux aujourd'hui, monsieur Belharibi? Bon, la date fixe, vous donner une date fixe, c'est pas... On pourra arriver à terminer nos projets bien avant ou à une semaine ou un mois plus tard. Il y a des conditions qui ne dépendent pas vraiment de l'ADL. Il y a les intempéries, mais ce qui est sûr, c'est que en premier semestre 2016, on aura les premières livraisons de la location. Il n'y aura plus de retard dans les réalisations pour les logements location-vente. C'est fini? Pour ça, non. Pour ça, on a adopté une démarche, c'est que même avec les entreprises de réalisation, on a été très, très strict que tout dépassement de délai de réalisation par rapport au délai contractuel sera sévèrement et ça, c'est les clauses du contrat le spécifient. Donc, aucune entreprise ne lui est permis de dépasser les délais de réalisation. Alors, combien de logements sont lancés actuellement, M. Belharibi, de façon concrète à travers tout le territoire national, sachant que Alger connaît une grande pression et une grande demande également par rapport aux autres wilayas? Sur le territoire national, on est sur 167 623 logements lancés et en cours de lancement, en cours d'installation. À Alger, on a arrivé à lancer les 90 000 logements. Ils sont en cours de réalisation, qui représentent des taux d'avancement variables. On arrive à des sites où on est pratiquement à 80% de taux de réalisation. Disons que sur les 230 000, 167 623 logements sont en cours de réalisation. Est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui que vous allez opter pour le même choix, c'est-à-dire construire en hauteur?
Ou alors, à l'avenir, les choses risqueraient de s'améliorer ou de changer pour l'ADL, ou le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'assiettes foncières est une contrainte aujourd'hui pour l'ADL? Il y a un peu de ça, mais dans toutes les cas de figure, nous avons dans le cahier de charge de l'ADL des taux bien spécifiés à 50% de R plus 5, il y a 30% de R plus 9 et 20% de R plus 14, chose qui n'était pas fait auparavant. Donc si vous remarquez, on a réduit les grandes hauteurs, on est parti sur n'importe quel programme, le minimum c'est 50% de R plus 5. Alors, construire en hauteur nécessite beaucoup de moyens et beaucoup d'entretien également, notamment pour les ascenseurs et les lieux communs. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui, les parties communes, qu'est-ce qui est fait aujourd'hui? Puisque nous avons vu que dernièrement, le ministre Assévi, il a renvoyé le directeur d'ADL qui se chargeait de l'entretien de ces immeubles ADL. Disons, c'est pour ça qu'on a réduit un petit peu l'utilisation des immeubles à grande hauteur. Mais concernant les cités que l'ADL est en train de gérer maintenant, pour vous dire qu'on a mené une campagne de mise en conformité des cités. Je vous donne l'exemple, Sebela, l'Achor, les Bananiers ou les Tfayet, on est sur des opérations de mise en conformité de toutes les cités. On est en train de refaire les peintures des parties communes, on est en train de refaire l'éclairage, la remise au niveau des ascenseurs. Et dans les prochains jours, tout promoteur qui s'inscrit dans l'ANSEJ va participer dans la gestion. Mais la gestion immobilière, c'est l'affaire de l'ADL et du résident de la cité de l'ADL. Nettoyer, c'est bien, ne pas salir, c'est encore mieux. Mais certains considèrent qu'ils payent les charges. Et l'entretien ne se fait pas parallèlement. Quel est votre commentaire justement sur cette question, rapidement, Monsieur Bellaribi? Certainement, il y en a des défaillances comme ça, mais disons la nouvelle démarche maintenant, c'est on est en train de s'inscrire dans une autre démarche, c'est de faire des opérations de mise à niveau et redéployer les éléments de la gestion immobilière. Mais vous allez aussi, durant la semaine, signer une convention avec l'ANSEJ pour encourager les jeunes à investir dans ces créneaux d'entretien. Certainement, ça c'est une nouvelle démarche pour pouvoir donner carrément une cité à un promoteur qui a été financé par l'ANSEJ pour pouvoir gérer toutes les parties communes des résidents de l'ADL. ADL 3, est-ce que c'est une option qui est retenue ou on n'y pense pas encore pour le moment? Ben écoutez, on est en train de gérer les 80 000 souscripteurs 2001-2002 et pratiquement 518 000 souscripteurs de ADL 2. Lançons nos projets, faisons nos bilans et on verra bien. Mais le ministre a déclaré que l'avenir en Algérie, c'est la location-vente qui est destinée, c'est-à-dire aux salariés moyens. Certainement, c'est la formule la plus adaptée. Plus sollicitée également. Oui, la plus sollicitée et la plus adaptée à nos citoyens. Alors aujourd'hui, beaucoup de souscripteurs regrettent le fait que s'ils ne disposent pas d'une fiche de paye, ils ne peuvent pas souscrire à l'ADL, la formation location-vente. Pourquoi? Par exemple, les chauffeurs de taxi, ils sont carrément exclus. C'est une question qui nous avait été posée la semaine dernière quand on avait reçu le ministre de l'Habitat. Non, il ne faut pas être salarié pour pouvoir accéder à la location-vente. La location-vente, il y a des critères bien définis. Même pour les fonctions libérales, il faut un autre document, c'est le C20, qui permet d'identifier le bénéfice du souscripteur et voir s'il s'inscrit dans les critères d'attribution de logement location-vente ou non. Alors, l'ordre de versement pour la deuxième tranche, aujourd'hui, puisqu'on commence à choisir sans site, c'est après cette opération, immédiatement? Eh bien, le plus important maintenant, et la démarche la plus importante maintenant, c'est de pouvoir terminer cette opération de choix de site. Après, comme deuxième option, on partira pour la délivrance de deuxième ordre de versement et la préaffectation du logement. C'est-à-dire, en termes clairs, la préaffectation, c'est-à-dire après le choix du site, on connaît le numéro de son habitation, l'étage et tous les détails inhérents. Eh bien oui, c'est le, c'est le, c'est,
C'est ce qu'on veut faire, c'est que en payant la deuxième tranche, le souscripteur va identifier son site, va identifier son bloc, son logement et son étage. Alors, il y a une question d'auditeur qui dit que l'Algérie a construit certes beaucoup de logements à travers le territoire national ces dernières années, mais elle ne sait pas concevoir des villes. Est-ce que la conception de la ville aujourd'hui par rapport aux constructions, location-vente va changer? Vous comptez changer les choses, monsieur Belharoubi, puisque ça vous fait à peu près 8 mois que vous êtes à la tête de l'agence ADL? Je pense que monsieur le ministre de l'Habitat et de la Ville l'a bien expliqué dans tous les points de presse qu'il a effectués, que maintenant on est en train de construire carrément des villes, des cités intégrées ADL. Ça veut dire qu'il n'y a pas que le logement, on est loin maintenant de l'habitat, du programme ADL qui a été initié en 2001. Maintenant, on construit carrément des cités intégrées avec l'école, avec le supermarché, avec toutes les annexes, toutes les annexes nécessaires pour une vie agréable du résident de la cité location-vente. Est-ce que vous ne risquez pas d'avoir des difficultés financières pour réaliser? Et est-ce que ce sont toujours les étrangers qui réalisent pour la ADL? Sur le programme qu'on est en train de réaliser, les 167 623 logements, pratiquement on est contracté à 33 entreprises échelle nationale, et sur les 33 entreprises nationales, il y en a une dizaine qui sont des entreprises publiques, des entreprises algériennes, entre public et privé. Les matériaux de construction 100% algériens par rapport aux directives du gouvernement? Eh bien, par rapport à ces directives, on est arrivé maintenant à l'ADL de réaliser un logement avec un taux d'intégration de 80% matériaux algériens. Ça veut dire que la fenêtre, la porte d'entrée, les portes d'intérieur, le compacto, la robinetterie, tout est fabriqué en Algérie. Et ça, c'est en application à l'instruction du ministère de l'Habitat. La qualité de réalisation est assurée également, monsieur Belharoubi, parce que ce qui est relevé, c'est que dès que les Algériens occupent un logement, ils le refont immédiatement après, parce qu'ils considèrent qu'il n'est pas bien fait. Mais permettez-moi, la dénomination de l'ADL, c'est l'Agence d'amélioration et de développement du logement. Le logement de 2001, qui a été réalisé en 2001, n'a rien à voir avec le logement de 2013. On est sur un standing assez intéressant. Et la qualité et la finition du travail. On est en train de tarabuster les entreprises pour qu'on s'inscrit dans un standing ADL assez intéressant. Et ça, on l'a vu à travers toutes les visites. Vos collègues de la presse écrite et orale, on l'a vu à travers les visites sur les différents chantiers au niveau des logements témoins. En assurant des accès pour les personnes à mobilité réduite, c'est une question d'un auditeur également, et ceux qui ont la charge aussi des personnes handicapées. C'est une instruction qu'on est en train de réaliser au niveau de tous les projets de l'ADL. Monsieur Tarak Belharoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio, en espérant vous avoir prochainement une autre fois. Merci. Merci à vous.